Salam alaikum. Cette vidéo, on choque, inch'Allah, la simulation d'un programme simple sous step 6. Donc, où le haja qu'on dit, la programmation de marque de Thomas, c'est la configuration matérielle. Donc, même si le step 6, c'est station cinématique 300, matériel. On a la configuration matérielle, donc on déroule les références du matériel, les CPU, les cartes, les NA, ainsi de suite. Donc, nous avons le CPU qui confond le placement numéro 2. Donc, j'efface le CPU qui est déjà. On va dire la référence du CPU de l'automate disponible. Donc, on a déjà une image. L'automate disponible. Donc la référence sera ouverte de l'IKINSES, donc 313-5PE010AP0, et d'ailleurs aussi de CPI 313C. Donc là, comme chez l'emplacement numéro 2, bouton droit, objet, ou qu'un XAR CPI LIN. Donc, c'est CPU 313. Donc, on a la référence de CPU DL. Bien sûr, il y a un automate modulaire qui connaît des cartes. Donc, chaque carte que j'ai c'est l'emplacement DL. Donc, une fois qu'on sert la configuration, j'enregistre la configuration DL. Donc, il y a qui me chauffe qui les adresses. De les entrées sorties, ou les octets de les entrées sorties port, les adresses de les entrées sorties analogiques, et je pourrais les changer. Donc, une fois qu'on se dit la configuration, donc c'est une chose à dire, il y a donc le tableau de mnémonique ou le tableau d'adresse. Donc, un petit mnémonique. Donc, maintenant, on va faire un exemple simple de fonction. Et, ou la, et une fonction ou. Donc là, je prends deux entrées. Donc A, l'adresse 224.0. B, 224.1. Et je prends deux lampes, les deux sorties. L1, l'intérieur A, 124.0. Donc, elle est pour la fonction E, complémentaire. Et L2, c'est pour la fonction. Donc la même chose, une fois qu'on sert la table de mnémonique DLI, donc je fais. Donc on appelle le programme, comme sur le bloc, on a dit l'OP1, donc je choisis le langage, count, c'est-à-dire l'ADER, ou je saisis le programme DLI, donc on a Ebenspelina, un essai simple ou un programme simple de la fonction et le contact en série avec une boulevine et la fonction ou l'effet de contact parallèle avec la boulevine DLI. Donc, là, on a A, B. Donc, il me faut que l'adresse qui arrive automatiquement. L1, A, B et L2. Donc, une fois que je termine, j'enregistre mon programme. Donc, principal, la quantité de l'automate réel, je vais charger mon programme, on dirait les CDL. Sinon, on a la possibilité pour faire une simulation en ailleurs. Donc là, je clique sur l'icône. Là, il y a un automate virtuel, ce qu'on appelle le GPLC SIM. Donc, là, je mets affichage toujours visible. Donc, pour faire l'essai, je dois charger mon programme. OK. J'ouvre mon programme et je fais mon simulation. Ma simulation.
voir mon programme, je mets visualiser, donc je choisis test visualiser, ou là directement je clique sur les lunettes, visualiser. Maintenant, l'automate est en mode stop, donc je mets rien et je fais mon essai. Donc, nous avons la fonction où il suffit de chercher un seul contact fermé. La sortie s'active, donc il y a que chauffe la sortie à 124.1. Il suffit aussi qu'on ait un seul interrupteur, un seul contact fermé. Vous ne savez la fonction et on doit avoir les deux. Donc il y a une autre façon, on a le brin chauffe les mini monétaires, non, donc on a qu'à dire insertion bit vertical. On a qu'un dire l'OctDL EB124, option, outil, insérer les mnémoniques. On a qu'un dire les mnémoniques DL. Donc, on a qu'un dire le projet DL et Raoua Smith, on a commencé avec Step 6. Donc, on a qu'un les mnémoniques. CPU, programme, mnémonique. Insérer, donc on a qui vient de lire la même chose, il a, si j'ajoute un bit vertical, notre bit vertical, il est sorti. Il y a les mnémoniques, il faut que je remove les adresses, donc je remove les mnémoniques.